Depuis plusieurs jours, Kate Middleton et le prince William sont en déplacement. Il s'agit du premier voyage officiel à l'étranger du couple depuis le début de la pandémie. Pour l'occasion, tous deux étaient très apprêtés, notamment la duchesse de Cambridge. En effet, elle a rempli sa valise de robes hautes en couleur mais aussi symbolique, qu'elle a assortie en fonction des pays où elle se trouvait. De plus, comme l'a révélé The Mirror ce dimanche 27 mars, elle aurait également rendu hommage à Elizabeth II à travers ses différentes tenues, comme l'a expliqué la styliste Anna Ashley. Que ce soit du orange pour l'optimisme, du bleu pour la confiance en soi, du rouge pour l'amour ou du jaune pour la chaleur, Kate a suivi l'idée de la reine d'utiliser des couleurs pour se rapprocher des personnes qui l'entourent, a-t-elle d'abord indiqué. Il s'agit d'un outil clé lorsque l'on visite de nouveaux pays et s'y est un moyen de s'engager avec ceux qui l'entourent. Une initiative réalisée par Elizabeth II à de nombreuses reprises et qui aurait donc inspiré Kate Middleton. Les apparitions de la reine d'Angleterre sont très remarquées, notamment puisqu'elle opte toujours pour des tenues colorées. Les couleurs vives ont longtemps été privilégiées par la famille royale, mais personne n'est parvenu à le faire mieux que la souveraine, a déclaré Anna Ashley. En tant qu'amoureuse de la couleur elle-même, la duchesse a rendu hommage à la reine lors de sa tournée cette semaine, a-t-elle précisé ensuite avant d'ajouter, et bien que ses looks colorés obtiendront sans aucun doute l'approbation royale, ils mettent également en avant les émotions de Kate Middleton. Lors de ce voyage officiel, la duchesse de Cambridge a été aperçue avec une longue robe jaune à fleurs, une seconde avec un imprimé effet vague et de couleur rose ou encore une robe longue en soie bleu ciel qui faisait penser à la princesse Cendrillon. Des tenues qui ont fait l'unanimité et qui ont rappelé celles d'Elizabeth II. On peut notamment mentionner ses ensembles roses, vert clair, ses longues robes à motifs ou encore ses chapeaux colorés assortis à ses tenues. Kate Middleton, à qui a-t-elle également souhaité rendre hommage? Lors de ce voyage officiel, Kate Middleton était bien décidée à montrer l'étendue de sa garde-robe. Elle a enchaîné les tenues plus magnifiques les unes que les autres, mais il y en a une qui est sortie du lot. Il s'agit de la robe jaune fleurie, une création de Alessandra Rich. Celle-ci rappelait fortement une tenue similaire portée par Lady Diana lors de son premier voyage officiel en Australie avec le prince Charles en 1983. En effet, elle avait opté pour une robe jaune avec des motifs blancs et des chaussures blanches également. La duchesse de Cambridge a-t-elle souhaité rendre un hommage indirect à la mère de son mari? Loading Widget.